Pardon, et bien le bonjour YouTube et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, et moi carrément, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live sur Sifu, qui se prononce donc, je crois qu'il se prononce en japonais Shifu, un jeu donc sorti par, enfin développé par Slowclap et sorti en 2022. Il s'agit donc d'un jeu de combat d'arts martiaux, un peu au style particulier, puisque chacune des morts va vous faire vieillir, et donc le but c'est de terminer le jeu avant d'arriver, ou avant d'avoir terminé son espérance de vie, voilà. Donc, j'avais bien avancé sur le jeu, j'étais à l'avant-dernier niveau, au boss de l'avant-dernier niveau, mais il se trouve que, voilà, j'ai passé... Je crois que j'ai 48 ans sur le dernier niveau, ce qui fait que c'est peut-être un peu difficile pour la suite. Et donc on va essayer de reprendre le jeu, de recommencer en essayant de perdre le moins de vie possible. Donc pourquoi pas essayer d'arriver à 20 ans au premier niveau, au deuxième niveau, et d'essayer donc de perdre le moins de vie possible. Donc alors la petite miniature. Et... Est-ce que c'est bon? Yes. Voilà. Et normalement, pour que je puisse vous voir. Et voilà. Let's go. Donc normalement, je peux vous voir. Et oui, donc j'ai pas précisé, mais oui, c'est un jeu qui est offert avec le PS Plus encore ce mois-ci. Il reste quelques jours pour le télécharger. Donc n'hésitez pas, hein. Franchement c'est un très très bon jeu avec des mécaniques Souls. Mais on te voit, bonsoir Mada, bonsoir à toi. hola hola, comment va? Mais on te voit, ça fait plaisir Mada, comment vas-tu? Quoi de neuf Mada? Comment vas-tu? Moi, ça va très bien, en tout cas, merci. Yes. Je suis ready, là, à recommencer Sifu. On va se... Je suis chaud. Je vous assure, si je finis le niveau à 20 ans, je fais du Kung Fu dans mon salon. Alors. Nouvelle partie. Donc oui, là, j'étais au dernier niveau, mais j'avais 61 ans, donc autant dire que ça allait être compliqué. Et on va recommencer. On va tout recommencer en essayant de perdre le moins de vie possible. C'était quoi? Élève, disciple, bon, on va faire normal. Hein. Ah, on peut importer la progression des compétences. Non, je pense qu'on va faire non. On va recommencer vraiment depuis le début. On va pas importer les compétences que j'ai déjà, on va essayer de tout reprendre depuis le début. Je vais quand même vous montrer les compétences que je trouve les plus sympas. Un peu débordé. Coucou Katel, salut à toi Katel, comment vas-tu? Ça fait plaisir Katel, j'espère que tu vas bien. OP pour dimanche. Alors dimanche je travaille. Je suis d'après-midi, alors attends, je vérifie. Dimanche. Vendredi, samedi de matin. Ouais, dimanche, lundi, je suis d'après-midi, donc Mada, je fais 13h-21h. C'est à quelle heure, Mada? Attends, je suis désolé, je crois que je suis au boulot. Eh ben, je vais vous laisser l'intro. Parce que l'intro est vraiment cool aussi, ça permet justement de savoir un petit peu ce qui se passe. Rip, tu vas avoir droit à un cours de rattrapage. Tu me diras, Mada, si du coup j'ai besoin de faire une vidéo, tu veux que je fasse une petite vidéo ou un petit truc, alors je sais pas si j'aurais... Ah ouais, 15h30, je suis en plein dans le travail du coup. Je suis désolé, ça tombe hyper mal.
Mais si vous voulez, je peux essayer de faire un petit truc. Je peux essayer de faire un petit truc si vous voulez. Ok, ça commence. J'aime trop ce jeu, franchement, il est trop cool. Ça va péter, hein. Je me suis entraîné toute la journée. Et ben voilà. Plus personne. Hey, salut Martine, salut à toi Martine. Bienvenue Martine. Ouais, tu feras une petite vidéo en donnant ton avis général du film. Ouais, bah ça marche, on fera ça du coup. Je dois le poster où? Sur la chaîne Zero Access? Ça fait plaisir, Martine. Je... Ouf. Ouf. Toi, tu veux te battre, toi. Toi, tu veux te battre. Ça va péter. Bon, bon, apparemment, lui, il est gentil. Hop. Donc là, on est dans le prologue. Hein. Là, on est vraiment dans le prologue. C'est juste une courte introduction pour expliquer un peu les touches. Et l'histoire commence réellement après le prologue, en fait. Ah d'accord. Hop. Ça casse des bouches. Suis chaud bouillant. Hop là. Donc à savoir que quand on fait une élimination comme ça, donc une élimination par la barre de structure, on récupère un petit peu de vie, ce qui est fortement pratique. Bien sûr, sur la chaîne Zero Access, je ferai une playlist pour ça. Ah bah c'est cool, ouais, ça marche, bah du coup je ferai ça... Je ferai ça cette semaine. Ah, la cinématique est incroyable. You were a mistake. Tu étais une erreur. I should never have taught you. Now you know too much. Ça, c'est le genre de jeu. Non, on a envie de se battre après. On va se faire du kung fu. This time, I will do what I must. Ok. Boss du prologue. Hop. Et voilà. Ah non. J'ai cru.
ça a quand même été très vite, hein. Ok. Ok. C'est un peu sombre, on voit pas grand chose. Hop. Ah ouais, ok. Hop. Je les zigouille. Je vous dis, je me suis un peu entraîné. Je vais essayer donc de faire le premier niveau sans mourir. Donc essayer de terminer le premier niveau à l'âge de 20 ans. Ce qui est pas évident. Couper la tête. Qu'on lui coupe la tête. Show yourself. T'inquiète, tu n'es pas le seul à avoir des cours de rattrapage, ça peut te rassurer. Alors, est-ce qu'on prend un garçon ou une fille? La dernière fois, j'avais pris un garçon. Est-ce qu'on prendrait pas une fille pour tester, du coup? Ref, attends, outipé. Je vous écoute, fille ou garçon? J'hésite. Je pense que je vais prendre une fille parce que j'ai déjà fait presque le jeu, enfin, j'ai presque fini le jeu avec un garçon. Allez, tiens, bah, du coup, on va tester fille. Allez, fais une mamie, frérot. Salut Dino, salut à toi Dino, comment tu vas? Dino qui est un ami, voilà, qui est un ami que j'ai vu avant-hier. Donc, qu'est-ce que je raconte hier? Et qui a une sacrée grosse télé. Ah, mais je t'ai déjà joué si jamais t'as besoin. Yeah. Oui, parce que Dino, tu l'avais platine, je crois. Dino qui sera avec nous d'ailleurs, qui sera avec nous en vocal puisqu'on va découvrir le mois prochain Sea of Thieves. Donc Dino sera avec nous pour nous faire un peu découvrir vu qu'il connaissait un peu le jeu sur Xbox. On testera Sea of Thieves. Et j'ai hâte. Bonsoir Sabrina, salut à toi Sabrina, comment vas-tu? On est sur Sifu. Il sort de vengeance. Et bonsoir également Louis le petit belge, bonsoir à toi le petit belge, comment tu vas? Bienvenue à toi, ça fait plaisir en tout cas. Et là le jeu commence. Ça va chier. Rentre dans ma guild silver sur Sea of Thieves. Bah ouais, carrément, pourquoi pas. Et je crois que le jeu est cross-platform en plus. 6 ans de jeu, ah ouais, t'es chaud Dino. Ah merde. J'avais pas vu que ça reprenait. Ok. Donc là je crois que c'est les boss qu'on voit en fait. Donc ça sera le premier. J'adore l'intro, je la trouve trop classe. Donc ça, ouais, ça c'est le deuxième boss. Putain, ça défoule, hein.
L'artiste. Ah, elle était chaude, elle. Alors, hop, hop. Voilà. Heureusement, ils ont mis un mode facile car ce jeu était hyper difficile à sa sortie. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils avaient un peu simplifié le jeu, qu'ils avaient mis des options d'accessibilité. Alors, balayage, c'est... Ça, c'est hyper utile, le balayage. Hop. Ah, mince. Oh ! Mais je suis nul ou quoi? Hop. Donc, alors ce qu'on va faire pour le premier niveau, c'est qu'on va déjà faire une fois le premier niveau pour essayer de débloquer le raccourci et essayer de choper un maximum de points d'expérience en fait. Histoire de choper quelques compétences. Hop. Et c'est parti. Let's go. Après, j'avais aussi une guilde là, Slytherin, si jamais. Ouais, tu m'avais montré. Sans tuto que des combats de boss. Ouais, là c'était vraiment tuto en mode pour voir un peu les boss qu'on va rencontrer. Et là du coup, on est un peu dans une sorte de hub central. Et on va commencer le premier niveau. Qui est donc, je crois, les squats, voilà. On parle pas du sport. On peut intégrer 3 guilds sur Sea of Thieves, Zina. Ah ouais, ah, je sais pas. Bon, bah c'est cool, mais en tout cas, franchement, j'ai hâte, je pense qu'on va bien se marrer sur Sea of Thieves. Et je suis bien content qu'il sorte sur Play parce que c'est un jeu auquel j'avais vraiment envie de jouer. Donc bien content qu'il soit dispo sur Play. Ça va être cool. On va pouvoir boire des pintes et vomir sur nos accordéons. Ok. Donc, c'est le début de l'aventure. Ah ouais, Dino, t'es chaud, hein. En plus, le jeu a l'air bien long. Donc là, le but, ça va être de faire un max de score. Hop. Let's go. On va essayer de faire une John Wick. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Alors, on va rester à côté des gros pamplemousses. T'es au niveau le plus élevé. J'ai mis en normal. J'ai mis en mode normal. Enfin, je crois que c'est moyen.
Hop. Et là, je crois que là, on va arriver dans une zone qui fait très. Qui fait très penser au film Old Boy. On va voir ça tout de suite. Hop. Pour le moment, tout se passe bien. Et c'est cette scène-là, franchement, je trouve que la mise en scène de la scène, elle est vraiment cool. Vous allez voir. On arrive dans une scène. Qui passe donc sur le, en vue sur le côté. Hop là. Pas facile quand il y a beaucoup de monde comme ça. Vous devez m'entendre spammer les touches. Ok. Alors là, ma barre de structure est trop haute, alors on va prendre un peu de recul. Bon bah voilà, voilà ce que je voulais éviter. Ah, j'ai paniqué. Bon, là c'est pas grave parce que je vous ai expliqué, en fait on va faire une première run, on va essayer de débloquer le raccourci. Donc, en soi, là, c'est pas trop grave. Je suis mort un peu comme un... Hop. Ok. Avouez quand même que la scène est stylée. Hein. Pourquoi 40, c'est 50, le pirate légende. Pirate légende, c'est ce que tu m'as montré avec les fantômes et tout. Genre une sorte de base que tu peux accéder que quand t'es niveau à un certain niveau, quoi. Hop là, dans ta tronche. Alors, je crois qu'ils m'ont vu. Hop. J'ai plus de son. Je suis désolé, je crois que je crois que j'ai été un peu violent dans mes gestes et du coup j'ai retiré le micro. Oh merde. Oh non. Ah, ça va être dur, hein. Mais j'ai 23 ans en fait, je suis dégoûté.
ça permet de regagner un peu de structure. Non, bon, ça je vais le garder. Hop. Oh non, il se transforme. Donc là il devient un berserk. Ce qui fait qu'il rechoppe une deuxième vie en fait. Ah. Ce qui est pas cool. Michael Souza, merci, bonsoir, merci pour tes vidéos, ça aide beaucoup, mais merci à toi, merci énormément pour ton retour et ton message. Bienvenue et merci beaucoup pour ton retour, c'est super gentil, vraiment content, si ça peut aider, c'est super top. En plus, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Merci énormément, hein. Merci à toi. On va essayer de faire quelque chose de bien ce soir. Voilà, là il a cassé son bâton. Et il va mourir là. Voilà. Let's go. Donc là, je crois qu'on va arriver au niveau du raccourci. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Maîtrise de l'arme, réserve de focus. Réserve de focus, ça va aider ça. Hop, double. Et voilà. Alors, à partir de maintenant, mini boss. Shame, I'll have to throw you back through it. Hop. Coup aveuglant. Oh là là, je fais mal lui. Et voilà. Ouf. Alors, le but, c'est donc d'avoir le premier raccourci qui nécessite donc un pass, une sorte de passe. Hop. Ce que je lui ai mis à lui. Pas déçu du voyage, je pense. Ok. Voilà. On va essayer d'avoir lui pour... Ouh, ça j'ai pas aimé ça. Oh. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas très grave, on va reprendre le raccourci après. Le but c'est d'avoir le raccourci d'abord. Okay.
Hop. Et puis personne. Hop. Alors, je suis où là? Là, je crois que c'est là le raccourci. Ouais, c'est lui. Ce que je voulais faire. Ok. Et voilà. Voilà, donc là on récupère les clés qui donc permet d'accéder au premier raccourci du jeu. Et donc les clés en fait vont nous permettre de passer plus vite à la zone du boss plus tard. Ça c'est cool. En tout cas, courage. Merci à toi Marcola, merci à toi, bienvenue et bonjour et merci beaucoup. C'est gentil. Elle va vite mourir de vieillesse. Ce jeu... Ouais, non, mais alors du coup, là, comme je t'ai dit, Dino, tu sais, on va essayer de reprendre le raccourci après, donc... Là, c'est pas grave si on perd des vies. C'est après que ça va être plus, plus compliqué, quoi. Alors là, j'ai combien de d'XP? Je ne sais pas. Le but, c'est de prendre focus balayage puissant le plus rapidement possible. Ok, donc je l'ai bientôt en full, ça c'est cool. Allez, let's go. Ah merde, je suis revenu en arrière. Hop. Alors la suite c'est ici. Ok. Alors ça c'est peut-être la zone la plus difficile du... Peut-être la zone la plus difficile du niveau. Hop. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en fait. Le but c'est d'avoir lui. Et là, bon, j'ai plus de bâton donc je vais prendre un peu de recul. Hop. Lui il a plus de vie non plus. Ouais non tu restes là toi hein. Ah putain il se barre, salaud. Ça j'aime pas. Alors je prends du recul. Ah non! Shit! Ça j'aime pas. Alors, bon, tant pis.
Ok. Hop, je me casse. Bonne soirée, Katel. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé, Katel, c'est gentil. Aïe, aïe, aïe. Ah. Coup dur. Bon, c'est pas grave. Je finis juste ça et puis je vais regarder un peu le chat. Et voilà. Et ben, ce qu'il faut pas faire. Hop. Allez, Silver, casse des bouches. Ce jeu-là, il donne trop envie de se... Bonne soirée, Katel. Merci beaucoup d'être passé à toi. Merci beaucoup, Katel. C'est super gentil. Je te souhaite une excellente soirée et puis je te dis à très très bientôt. Merci, Katel. Hop. Donc, alors, où est-ce qu'on est là? On va bientôt pouvoir... Hop, ça tombe au sol. Et voilà. Regardez-moi cet ennemi là. L'ennemi qui a bugué. On est d'accord que c'est impossible de mourir comme ça. Ou alors c'est une supercherie. La personne elle est morte sur une chaise comme ça, elle fait. C'est... J'ai jamais vu de bug dans le jeu, c'est le premier sur live. Alors, donc là, il se trouve qu'on est au squat. On est face au premier boss. Alors. Je vais pouvoir déjà prendre des trucs. Ça, déjà. Et ensuite, on va prendre le final. Est-ce qu'on peut de ça? Yes. Ok. Donc, maintenant qu'on est là, est-ce qu'on peut recommencer? Ok, donc c'est bon. En fait, on peut recommencer. On peut recommencer le niveau. On va garder la compétence ultime. Et là, on a 20 ans. Alors, donc là, on a 20 ans, sauf qu'on a le raccourci, vu qu'on a débloqué la clé. Hop. Let's go. Et là vous vous dites, mais il est fou, il recommence le jeu. Sauf que là maintenant... Alors déjà on va prendre le bâton. On peut passer par ici.
Et voilà, donc là du coup en fait on arrive directement dans le... sur le côté. Ça j'aurais peut-être dû le garder, bon c'est pas grave. Let's go! Je savais même pas qu'il y avait un dragon ici, je l'ai jamais vu. On est bien. Ça, ça dégage. Et là, si je me trompe pas, on arrive directement dans la salle où il y avait tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà, directement sur lui. Hop! Ah, ça m'énerve. Pourquoi je suis bloqué? Pardon. Là, on est mal parti, en fait. Hop, ça, ça dégage. Ah, il me gonfle. Aïe aïe aïe, faut pas perdre de vie là. Alors, on va se barrer. Et on va revenir ici. Ok, on va essayer de faire safe parce que j'ai pas envie de perdre de vie en fait. Oh non, putain, j'ai pas de chance. Putain, j'ai vraiment pas de chance, hein. Ça, il faut que je regarde pour l'autre. Ok. Peur de mourir, mais bon. Ah, c'était sûr. Oh, bon, tant pis, on perd une vie, hein.
Ah, salut Julien! Salut à toi Julien, comment tu vas? Je parlais de Patrick Sébastien? Pourquoi? Parce qu'on fait tourner les serviettes! Putain, mais lui il me saoule hein! Hop! Putain, alors lui il m'a fait perdre une vie, je suis dégoûté. Ok. Patrick Sébastien, c'est la vie, hein. Oh non, je me suis pris une patate dans le front là. Sans dire, je suis dégoûté. Hein. Non, mais lui va me lâcher lui. Attends, tu veux mourir toi. Je suis. Et voilà. Oh non, je suis trop. J'ai plus de bâton. Ah, il y en a là. Hop. Oh, comment tu vas, Julien? On est en pleine séance de combat. Sur Sifu. Je suis deg, j'ai perdu un an, je voulais pas perdre de vie, mais bon. C'est pas grave. Alors, il y a un autre truc que je voulais prendre, c'est revers chargé, parce que revers chargé, c'est hyper fort. Donc le prochain objectif, ça va être de prendre ça. Et donc, si je dis pas de bêtises, on arrive au premier boss. Ouais, ça va, tranquillou. La forme. Premier boss du jeu, donc je vous laisse avec le premier boss, et puis on se retrouve juste après. Il va falloir que je me concentre. Il faut savoir que lui fait très mal. Le but, ça va donc d'essayer d'avoir sa barre de structure déjà. Hop. Oh, c'est chaud, hein.
Bon, là, c'est un peu chaud parce que j'ai plus de barre de structure. Il faudrait pas qu'il regagne la sienne. Hop! Bon, on n'est pas mort sur la première phase. Salut Cédric, salut à toi Cédric, comment tu vas? Bienvenue à toi Cédric. Cédric a une nouvelle chaîne d'ailleurs. Allez, deuxième phase, on n'est pas mort. Donc là on a fait le plus dur, franchement une mort c'est bien. Là, il y a des bâtons, hop! Hop. Ça craint. Non, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, il avait plus rien. Oh non. I have spent 8 long years preparing for this. Bon, du coup, j'ai perdu 2 ans. J'ai 22 ans, ce qui en soi ça va. Petit scarabée. Donc j'ai perdu 2 ans, ce qui en soi n'est pas, ça va, c'est pas excessif, ce qui fait que maintenant j'ai 22 ans pour le deuxième niveau. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme compétence? J'essaie d'avoir celui-là. Et maître de l'environnement. Ah, j'ai pas assez. Interception d'armes, ça peut être cool. Hey, bonsoir Nero. Bonsoir à toi Nero. Bienvenue Nero, live partagé. Merci beaucoup Nero, c'est trop gentil. Merci à toi. Donc du coup, voilà, on a 22 ans. Et le prochain niveau, c'est donc le club. Là, on a fait le squat. Les squats. Et on va faire le club. Bon, par contre, avant de faire le club, je vais faire une toute petite pause ounette. Histoire, voilà, de décompresser. Une pause ounette très courte. Hein. Oh! Oh non, je peux pas faire de pause. Quand je pars, il y a Majak qui arrive. Notre docteur de l'amour. Comment tu vas, Majak? Comment ça va? Ça fait plaisir, Maj. J'espère que tu vas bien. Je suis tellement content de te voir, Majak. Je vais te montrer ce que j'ai appris dans le jeu jusqu'à maintenant. Donc, tu vois, on a le Mawashi. Double, comme ça, tu vois. Genre, tu fais... Tu vois. Et il n'y a plus personne, normalement. C'est ce que j'ai retenu. Avouez que vous avez rien vu, parce que ça a été tellement vite.
Ça a été tellement vite que, en fait, c'est impossible pour l'adversaire de contrer ça, tu vois. Il y a la technique du coup de boule dans les boules aussi. Kung Fu. C'est moi, Majak, dans la vie, je suis plus genre Kung Fu Panda, tu vois. Ou tes chaises. On va essayer de rien casser. Voilà. Petite pause de 2 minutes. On se retrouve tout de suite. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur ce jeu. Je rappelle, on a terminé le premier niveau, le premier boss, et on n'a perdu que 2 vies. On a donc 22 ans. Ce qui est plutôt cool. On a tout vu. T'as passé les squats? Ouais, je viens de passer les squats. Je viens de passer les squats et du coup j'ai 22 ans, ce qui est un âge assez correct pour le niveau. Et là, on va s'attaquer, au retour de la pause, on s'attaque au club. Et je parle pas du club sandwich. À tout de suite!
Re-coucou à tous. Et bonsoir, bonsoir à toi, Jeannot. Bienvenue, Jeannot, j'espère que tu vas bien. Re-Majak, re-Cédric, re-Julien, re-Nero, Martine, je sais pas si t'es toujours là, mais re à toi. Et on est reparti. On est donc reparti pour Sifu. Qui n'a rien à voir avec le Sifumi. Hein. Désolé, j'ai couru. Eh ben ça va, pépère, tranquillou. On vient de terminer le premier niveau, donc le premier boss. Et on a 22 ans. Sachant que maintenant, le niveau de référence, à chaque fois que je commencerai le club, j'aurai 22 ans, quoi. Ça sauvegarde. On est plutôt pas mal. Bon, après, pour moi, le club, c'est vraiment le niveau qui commence à être un peu plus dur. C'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et alors, je crois que lui, on n'est pas obligé de le tuer. Ok. Le club est un peu plus compliqué, hein. Hop. Là, le truc, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus dangereux que l'autre. Cassage de Hugues va commencer. ça te regarde pas parce que nous, on est là pour se battre en fait. L'autre il est parti chercher un bâton, mais ce qu'il sait pas, hop, ce qu'il sait pas, c'est ça. Lui, c'est mon préféré parce que, genre, hop. Lui, il sert à rien. À part nous donner des multiplicateurs de score. C'est là que ça commence. Hop. Ah! Ok, bon. J'aurais pu faire mieux. Celui avec le pied jaune. Ah, j'aurais pas dû passer, je crois que j'ai passé la cinématique. Bim. Ok, donc le prochain raccourci sera là-haut, mais pour le moment on n'a pas donc l'objet qui nous permet d'avoir le raccourci. On va l'avoir plus tard. J'hésite, on va prendre réserve de structure. Ok, coup de pied crocheté, coup de pied vif.
Qu'est-ce que je prends? Contrôle-sol, mettre l'environnement? Non, pour le moment, je... Peut-être ça. Allez. Et le reste, on va garder. Alors voilà, ça c'est cool. Donc ça c'est les berserk, j'aime pas du tout. Faut juste se concentrer. Ah, j'ai raté le... Voilà. Eh ben... lui, il a failli me tuer, lui. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas une bouteille. Genre là. Comme ça. On va essayer d'avoir ça. Le pied qui pue, technique secrète. La technique du panard. Ah. Bon, je suis mort. Mais pas... c'est pas grave parce que là... Parce que là, on va donc essayer d'avoir le raccourci. Là, ça va pas vraiment compter comme les morts. Ce n'est pas grave. Je me demande s'il n'y en a pas un qui se transforme aussi justement dans cette zone. Bon, il est déjà mort. J'ai essayé de le tuer alors qu'il était déjà mort, ce n'est pas grave. Ok. Ouais, des bouteilles, il y en a plusieurs ici. Je me demande si c'est pas lui qui se transforme aussi, parce que je crois qu'il y en avait un qui se transformait ici, alors je sais pas si c'est... Ah non! Ok. Ok. Donc là, lui, il est pas méchant, c'est ceux-là qui sont méchants. Et hop, je suis désolé, je suis concentré. Oh, il va pas me saouler. Hop, on a eu le pire. Voilà, ok. Par contre, les deux colosses au fond, ils sont un petit peu plus énervés. Hein. C'est pour ça que pour les colosses, on va déjà faire ça. Ça.
Hop, on en a eu un. Nickel. Le deuxième. Non, ça je vais le garder. Oh non. Oh. Oh, il m'a fait mal celui-là. T'es au prologue, il s'est passé quoi? J'ai pas vu. Tu as recommencé? Non, bah là je suis au niveau 2. J'ai 23 ans, mais du coup en fait tu sais, là les morts elles comptent pas vraiment parce que j'essaie juste d'avoir le raccourci et une fois que j'ai le raccourci, je recommence le niveau une fois pour essayer de perdre le moins de vie possible. Et là on est déjà à 25 ans, mais bon après du coup ça va aller. Le but c'est juste d'avoir le raccourci. Hop. Allez, bon bah y a plus de garde, c'est réglé. Est-ce que j'ai un bâton par ici? Non. Alors, où est-ce qu'on est là? On est au niveau des deux barmaids, je crois. Ouais. Là, c'est un peu difficile. Il y en a une des deux qui est forte. Je sais plus c'est laquelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me... Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé de touche. Tout va bien. C'est bête parce que c'est l'autre qui était forte. Hop. Ça dégrage. Par contre, là, on entre dans l'arène. J'aime trop ce jeu, franchement. Je pense que les gens qui ont aimé Sekiro devraient bien aimer ce jeu parce qu'il y a vraiment le même système de parade et de contre un peu. Oh, lui m'a enchaîné quoi. Sale. Je crois que je vais vraiment casser une chaise. Ah. Oh. J'ai du mal avec les chopes. Hop, par contre lui je crois qu'il se transforme, c'est ça. Donc là je vais mourir. Voilà. Et bon ça, ce que je vois pas arriver car le chat part en couille. Je suis désolé. Là en plus on vient de passer la trentaine. 32 ans, tiens, comme dans la vraie vie. Comme quoi. Le but c'est vraiment de pas paniquer, de garder son calme.
Oh la vache, mais lui il fait trop mal, il me saoule. Ok. Alors, je crois que lui, c'est lui qui nous donne le pass, le raccourci. Ah ouais, moi, c'est des bugs. Ok, concentration. C'est pas grave. Ça arrive. Mal lui. Hop. Voilà, vache. Donc, on récupère le pass du club, ce qui fait que maintenant, quand on va recommencer, on aura 22 ans et on pourra passer directement par le raccourci. Ce qui est cool. Balayette, Mino. J'y vais, mon Silver. Pas de soucis. Merci à toi, Majak. Merci beaucoup, c'est super gentil d'être passé. Merci pour ton soutien, ta bonne humeur. Merci à toi. Et vive YouTube et ses bugs, exactement, tu as raison. Ça fait partie du charme. Bon courage à toi si tu bosses demain, Majak, bon courage à toi. Et puis, hâte de te revoir en live aussi, je sais pas si tu fais un live cette semaine. Mais des bises, Majak, et à très bientôt. À bientôt, Mad. Let's go. Non, on va essayer au moins de finir celui-ci. On va essayer au moins de finir, comment dire, le club. Hop. Comme ça, ça permet de récupérer de la vie. Hein. Ouh. Oh la vache. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre un truc? Revers chargé, tiens. Pour moi c'est mardi, Mad. Julien, toi aussi, bon courage, Majak. Bon, oula, ça y est, je... Bon, je sais pas si lui se transforme. Hop. Bim. Celui-là, je l'ai pas pris. Non, je croyais que je l'avais pris, mais non. Et c'est dommage que celui-là, je peux pas, mais dès que je peux le déverrouiller en permanent, je vais essayer de le déverrouiller en permanent.
Et on va récupérer le bâton. Ok. En plus, wow, moi demain je bosse à 5h du mat, donc ça fait que je me lève à 4h. Flemme. Flemme de ouf. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je reprends pour une semaine. Hop. Oh non, par hasard. Du coup, balayage, hein. Oh. Je pense que de toute façon on va pas tarder à recommencer le niveau parce que... Bonsoir à Yoros, salut à toi Yoros, bienvenue. Hop. Allez, on s'en débarrasse. Let's go. Je suis concentré à mort. Ok. Hop. Eh ben, ce qu'il faut pas faire. Tu bosses en boulangerie ou quoi? Non, je bosse à l'usine, donc je bosse des fois le matin très tôt. Et je fais 2 du matin, 2 de l'après-midi, 2 de soir, et après je suis 4 jours en week-end. Et comment tu vas, Yoros? J'espère que tu vas bien. Ah, ton perso est plus vieux que moi, c'est le début de la fin. C'est clair. Mais là, on va recommencer parce que du coup, comme ça, on va recommencer le niveau à 22 ans et puis on a le... Et on a le raccourci. Hop. Ok. Donc ça c'est fait. Je crois qu'une fois que ça c'est fait, on peut descendre en bas. Moyen, j'ai toujours des palpitations à la tête et ma main qui tremble. Mince, pas cool ça. Ah, Yoros. J'espère que ça va aller. Bon courage à toi. Oh, ça doit être horrible. Bon courage. En plus, les palpitations. Bon courage à Yoros. On t'envoie du soutien.
c'était sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence? Comme ça, on a 22 ans direct, on prend le raccourci. Je crois que je vais faire ça. Alors, est-ce que je peux juste prendre le truc? Et ben voilà, comme ça, celui-là, on l'a en permanent. On recommence le niveau. Comme ça, on a 22 ans et puis on prend le raccourci et on va direct au boss. Des crises d'angoisse qui reviennent. Punaise, ah ouais, les crises d'angoisse, j'ai connu ça, j'en avais à une période. Et une crise d'angoisse, c'est horrible. Ça peut arriver n'importe quand. Je te souhaite vraiment bon courage, Ayuros. Bon, alors là, par contre, on va se concentrer et le but, c'est vraiment de mourir zéro fois, quoi. Hop. Ok. Alors lui, on va le laisser tranquille. Et on va aller... Let's go le boss. Il faut se concentrer, c'est maintenant. Ouais, ça m'a déconcentré le fait que... Voilà. Ouf. Hey, coucou Kevin. Coucou à toi Kevin Gamer, comment ça va? Ça va très bien et toi? On est sur Sifu là. Jeu que je surkiffe, que j'adore. Hop. Ouais, le Sifu, il est vraiment génial. C'est un jeu que j'adore, franchement. Je pourrais jouer des heures à ce jeu. Tellement il est incroyable. On va garder les points. Je l'ai pas encore fini, j'étais au boss de l'avant-dernier niveau, mais j'avais un âge avancé, donc je me suis dit, je vais recommencer, je vais le faire en live. Et puis, on va faire l'aventure tous ensemble. Yeah.
concentration au maximum. Let's go. On est en train de retourner le jeu. qu'est-ce qu'on pourrait prendre ensuite? Tiens, on va prendre un truc de focus. Re-Cédric, re-coucou. Ouais, franchement, Kevin, Sifu, c'est vraiment un gros coup de cœur, là. Je trouve ça vraiment cool qu'il soit dans le PS Plus. Je trouve ça excellent. Là, le but, c'est d'aller au boss en perdant le moins de vie possible. Et bien sûr, donc, de perdre le moins de vie contre le boss possible aussi, hein. Ah, direction sur elle, c'est pas vrai. Oh la vache. Ok, on va essayer de trouver un truc. C'est elle qui me fait peur. Hop, voilà, bon elle est morte, ça c'est fait. Le reste, normalement, ça devrait être du beurre. Ok. Non. Bon, c'est pas grave. 2300, c'est pas grave. Aïe, 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 je suis deg, j'avais plus de vie. J'ai le micro qui se barre. Ouais, c'est chaud, hein. En plus... Ah, je me suis coincé. Ah putain, il a esquivé le salaud. Oh la vache, mais lui, comment il m'a fait mal. Non.
dur. Ce passage-là, j'ai presque envie de le recommencer, quoi, parce que je fais un peu nimp. On va y arriver, on va y arriver. On se dit à partir de quel âge je recommence le niveau? À partir de genre 25 ans. Parce que bon, je pense que c'est quand même normal de mourir de temps en temps, mais... faudrait pas que ce soit une habitude. Hop. Ouh. Oh, ça m'a fait du bien. Ok, je crois qu'on est au boss de fin. Ouais, malheureusement, je viens de voir ton message, Julien. Malheureusement, Cédric s'est fait strike sa chaîne de YouTube. De YouTube directement. Franchement, ça craint. YouTube, vraiment, genre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Franchement, c'est pas cool. Ok. Donc, là, on a les deux ennemis là avant. Qui sont quand même assez chauds. Je crois que la fille a l'air un peu plus oh. J'ai 25 ans, je suis jeune, je suis frêle. Toi tu meurs. Hop. C'est lui qui est chaud en fait. C'est lui qui me saoule. Quand il y en a un qui te saoule, on fait comme ça. Hop. Ok. Donc avant d'aller au boss, on va prendre le bâton. Et c'est parti pour le boss. Nelson, fais gaffe, j'espère que t'auras pas de soucis. Ouais. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cédric, abonnez-vous en masse, il mérite vraiment, il fait vraiment des, il propose des petits reportages, des lives sur des jeux rétro, beaucoup de choses, je vous conseille vraiment sa chaîne, et après on mettra le lien en description. Bon d'ailleurs Cédric t'es modo, hein, tu peux mettre le lien de ta chaîne ou alors Kevin. Si les modos sont chauds, n'hésitez pas à mettre la chaîne de Cédric, il le mérite vraiment. Final Fantasy VII Rebirth, non, pas encore, je l'ai pas encore pris. Prochainement, je vais essayer Rise of the Ronin. Final Fantasy VII, pas encore. Mais j'ai vu des let's play, franchement, il a l'air somptueux.
Et Yoros qui nous dit s'il est en steelbook, je me le prends si fou. Et franchement, je l'ai cherché en boutique, je l'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que le steelbook est vraiment très très classe. Alors, ce que j'ai envie de faire, j'ai déjà envie de baisser mon nombre de morts en fait. Mais est-ce que ça vaut le coup? Pas plutôt de faire regain de focus. Écoutez, je pense qu'on va faire regain de focus en fait, parce que un an c'est pas beaucoup. Et on va prendre interception d'âme pour le niveau 3. Et on peut le prendre en permanent, donc bonus. Ok, donc, let's go. Boss numéro 2, cinématique. Non, Kevin, Lies of P, j'ai un peu abandonné. En plus, j'étais à la fin, c'est dommage. Mais il faudrait vraiment que je le recontinue, faudrait que je le fasse. C4. My arms are yours. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and the feeble. N'est-ce pas trop stylé? Donc lui, c'est un petit peu spécial, parce que lui... Lui, il est chaud. On va dire que lui est un peu énervé, hein. Punaise, qui m'a mis. Si fou, hein. Oh là là, lui il est chaud bouillant. Hein. Heureusement, on a des bâtons. Et les bâtons, c'est la vie. Oh la vache, au moins j'ai pas perdu de vie parce que c'était moins une. J'en ai perdu une, mais du coup... J'en ai pas perdu une deuxième. Je suis imprété. Je suis choqué, Julien.
Hop. Hop. Ah la vache. Oh, je suis deg. J'ai 29 ans. Je m'étais dit, j'aimerais bien passer le niveau sans avoir dépassé les 30 ans. Et on y est presque, hein. Hop, il n'y a plus grand chose là. Non. Oh non, je dépasse les 30 ans, j'ai 32 ans. Comme mon vrai âge. Ah, je l'ai eu. Et voilà, deuxième boss. Bonne soirée à Yoros, bonne soirée à toi, pardon, j'avais pas vu. Bonne soirée à Yoros. Bonne soirée à toi, merci pour ton soutien, c'est vraiment gentil. GG quand même, mais merci beaucoup, merci, c'est gentil, merci Julien. Je suis dégoûté d'avoir passé les 32 ans. J'ai presque envie de recommencer. Hein. Merci beaucoup, merci Jeannot. GG papy. J'aime trop ce jeu, je sais pas ce que vous en pensez graphiquement, j'espère que ça vous a donné une petite idée. Pour ceux qui connaissaient pas, hein, bien sûr. Et donc le prochain niveau, alors je vais vous montrer le début. 33, tu meurs et tu ressuscites comme Jésus. Jésus, mon mari. Hey, salut NFC Nelix, salut à toi. Bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vous montre juste le début du troisième niveau du coup, et puis puis après ben, on va se laisser là. Hop. Regrets now?
Hop. Voilà. Donc alors le troisième niveau, c'est le musée. On est vraiment dans le troisième niveau. Le premier, c'était les squats. Le deuxième, c'est le club. Et le troisième, c'est donc le musée. Qui est particulièrement compliqué aussi. Mais par contre, on débloque un raccourci après qui nous amène directement au boss. Donc du coup, alors là, on est au troisième niveau à 32 ans. Ce qui encore ça va, je trouve, c'est pas non plus abusé. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que la prochaine fois, alors j'essaierai de peut-être refaire le niveau 2 pour essayer d'arriver ici un peu plus jeune. Si j'arrive en dessous des 30 ans, je pense que ça peut être plutôt cool. Et donc, on essaiera de poursuivre à partir d'ici et de faire les deux prochains niveaux en live. À partir de cet endroit. Bonsoir Brasier, bonsoir à toi Brasier, bienvenue. On souhaite le coucou à Brasier, NFC Nelix. Bienvenue à vous. Bon, attendez, on va faire un petit peu de rab, je vais vous montrer un peu le début du niveau. Et on va essayer de récupérer une arme. Hop. Alors en effet, le jeu est vraiment pas évident par certains moments, mais franchement, je le conseille à tous ceux qui aiment ce genre de jeu un peu beat'em all. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Même pour ceux qui ont aimé Sekiro, franchement. On voit que les décors sont vraiment somptueux. Je commence à fatiguer, je fais nimp. Allez, ça dégage. Côté d'un générateur. Comment c'est jouissif ce jeu. Comment j'aime trop. Ah ouais, donc là du coup après on peut passer par là pour le raccourci je crois. Oh, je suis bloqué. Je joue un peu avec lui, hein, parce que... Et voilà. Voilà, je vous ai montré un petit peu le début du prochain niveau. On reprendra ici la prochaine fois. Et on essaiera de poursuivre l'aventure, sauf que je serai peut-être un peu plus jeune. Dans le jeu, hein, parce que dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais donc, on reprendra à partir d'ici. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu, j'espère que ce live découverte sur Sifu vous aura plu. J'ai essayé de parler aussi de choses dont j'avais pas parlé dans la vidéo précédente, la vidéo sur les astuces.
Et enfin, les astuces pour bien débuter, j'ai essayé de parler de choses dont j'avais pas parlé dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ce live vous avez passé un bon moment. Voilà. Merci en tout cas à tous, merci à toutes et à tous. Franchement, vous êtes géniaux. Je vous remercierai jamais assez. Et je suis hyper chanceux d'avoir une communauté aussi gentille et aussi bienveillante. Merci à tout le monde. On reprendra la prochaine fois ici. On essaiera de faire la suite en live, donc peut-être la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Et à très très bientôt. Bye Julien, bye Nero, bye Cédric. Bah Brasier, Nero, Nélix, Ayoros, Kevin. Vous étiez nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Srep, merci à toi Srep, j'avais pas vu ton message, je suis vraiment désolé. Salut à toi Srep, excuse-moi, pardon, je suis vraiment... Des fois je loupe des messages et j'avais pas vu, je suis vraiment sincèrement désolé. Bonsoir à toi Srep. Merci beaucoup, merci à tous. Et à très très bientôt. Allez, bye tout le monde. Des bises. Merci à tous, à bientôt.